salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de la course numéro 3 en compagnie de mes abonnés. Donc malheureusement j'ai eu un petit problème avec mon logiciel, j'ai pas pu citer le nom de tout le monde. Je referai un petit tour juste après, histoire de pouvoir citer un peu tout le monde. Parce que voilà, vous êtes mes abonnés, je vous remercie. Vous êtes venus dans ma course, là je sens que je vais me faire gangbang mais genre sévèrement, ça va être barbare. Ah, il y a des entorno qui me suivent. Bref, alors sujet de vidéo, bah écoutez, il n'y en a pas, tout simplement. Je vous ai vraiment pas de quoi parler. La course, c'est pas très long, je crois. J'ai mis deux tours, j'ai pas mis plus. Je vois pas pourquoi j'ai pas mis plus. J'avais peut-être un sujet, je me suis dit peut-être qu'on va parler des bus et de la RATP, mais ils s'en prennent déjà plein la gueule. Mais oui, c'est clair. Donc je sais pas si ça vaut le coup, quoique. Oh, peut-être, je sais pas. Ouais, j'ai pas vraiment de sujet. Je suis la course, hein, c'est une course assez banale. What the fuck? Salut toi, coucou. Oui, donc vous avez pu apercevoir encore une nouvelle fois mon petit logo Twitter en bas à gauche, donc avec un petit bruitage. Donc le petit bruitage, si vous l'entendez, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous, c'est pas votre PC, c'est pas votre chat qui est devenu un pigeon. C'est la vidéo, tout simplement. C'est pas votre hamster qui s'est transformé en hamster pigeon. Non, c'est tout simplement le petit bruit que le logo Twitter fait, bah voilà, tout simplement. Peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que vous n'avez pas fait gaffe. Là, le petit backflip qui passe crème. Oh là là, magnifique. Magnifique, et retombé sur les quatre roues. Même pas un seul impact, ni une rayure. Franchement, beautiful. Je demande quand même un tonnerre d'applaudissements. Merci, merci, franchement, merci, merci, merci. C'était nul, je sais. Alors, on va parler de la RATP, tiens. Non? Si? Non? Bref. Oui, donc un peu vous raconter un peu ma semaine, ma journée, mes journées de cours. Bref, aujourd'hui j'ai terminé à 13h, donc je suis content. Hier j'ai terminé à 16h, je suis content. Mardi j'ai terminé à 18h, je suis un peu moins content. Lundi j'ai terminé à 18h, je suis un peu moins content aussi. Mais franchement, entre nous, on s'en fout un peu, hein. Franchement, où est le point? Je sens que je me suis fait carotte là. Ah, il est où le point? Bref, donc cette semaine, déjà la semaine, c'est la première semaine de rentrée, je suis déjà arrivé deux fois en retard en cours, ce qui est franchement utile. Alors, c'est pas de ma faute si je suis arrivé en cours, vous le savez de toute manière, moi, virtuose, toujours ponctuel, c'est pareil pour les vidéos, ils sont toujours ponctuels, ce qui est totalement faux. Mais, en ce qui concerne... What? Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa buque? Mais comment il m'a rattrapé? Alors toi... Yeah. Voilà, voilà, voilà ce que tu mérites. Désolé. Bref, donc je suis arrivé deux fois en retard en cours cette semaine. Deux fois déjà, ça fait beaucoup. Pour la première journée. Heureusement que mes profs sont très sympas et moins acceptables parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de sérieux, etc. Ce qui est totalement faux encore une fois. Mais c'est pas de ma faute, hein. Vous le savez. De toute manière, qui va dire que c'est de sa faute s'il est en retard? Mais monsieur, c'est pas moi, c'est le train. C'est le bus, il est arrivé en retard et tout. On a tous sorti cette excuse. C'est pareil quand on a un devoir à rendre et on dit que c'est mon chien qui l'a mangé. Personnellement, j'ai jamais dit ça. En même temps, j'ai pas de chien, mais j'ai jamais dit ça, alors je sais pas. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. C'est pas trop mon genre de dire que je sais pas, j'ai un chien qui mange mes devoirs. Ça marche dans les films. Et encore, dans les films, ils arrivent à y croire. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent quand même à y croire. Alors, il y a quand même du niveau. Oh, le petit tricheur! Oh, le tricheur avec sa Bugatti. Moi, c'est pas grave, moi, je fais le double backflip. Triple, quadruple. Oh, magnifique. Et retomber sur les quatre roues. Oh là 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 là. Là, ça, c'est vraiment plus qu'un tonnerre d'applaudissements. Je vais quand même demander une huée d'applaudissements, une huée de cris. Là, c'était juste beautiful. Quadruple backflip, 5 tuples, 6, 7, 8 avec des vrilles partout et les retomber sur les quatre roues. C'était juste magnifique. Quand même, merci, merci, merci. Je sais, je sais que vous reconnaissez un peu mon talent de pilote, ce qui n'est pas du tout le cas, mais bon, on s'en fout. Là, attention, la petite vrille! La petite vrille! La vrille! Et retomber sur les quatre roues. Mais c'est pas possible, je suis un beau gosse de la conduite. Alors là, je suis premier alors que l'autre est censé me passer devant. Après, je dis ça, je dis rien. Il y a sûrement un problème. Ah non, il est pas passé, il a pas réussi à passer. Bon, par contre, moi, je me casse la gueule. Là, il va passer sur le côté ou alors il va me passer devant. Tiens, qu'est-ce que je vous avais dit? Non, laisse-moi la place, je t'en supplie. Non, mais se faire humilier par ses abonnés une fois encore, deux fois, quoi. Deux fois en une semaine, c'est dégueulasse, quoi. Franchement, entre nous, c'est un peu dégueulasse de se faire humilier comme ça. Je viens de me ramasser encore une fois. Putain, mais j'en ai marre.
Alors, qui c'est qu'on regarde? Alors là, je regarde code moustique. Code moustique. Ah ouais, sérieux, vous avez fait un effort sur les gamer tags, franchement, je vous remercie. Mais essayez d'avoir quand même des gamer tags originaux. Code moustique, c'est original. Je sais pas. Vito C44, voilà quoi, c'est Vita. Ça n'a aucun rapport, on s'en fout. C'est Vita, c'est Vito. Non, c'est Vita, Vito. Nous avons Ghost Bat 971. C'est pas original. C'est original à la fois, mais sans être original. Donc il reste 17 secondes de la course. Je sais que cette vidéo est complètement inutile. Il y en a plein qui vont dire ouais, mais ta vidéo est complètement inutile. Ça sert à rien de dire ce que tu fais. Il a pas tenté le backflip. Et en plus, il retombe même pas sur ses 4 roues. Là, franchement, c'est honteux. Honteux. Je dis clairement, c'est honteux. Moi, j'ai fait un quadruple, un sextuple, septuple, huituple. Non, huitulupe. Deux backflip et avec des vrilles sur le côté, droite, gauche, c'était une commande pour faire un glitch, donc gauche, droite, droite, gauche, vous avez absolument rien compris, je suis tombé sur mes 4 roues, en fait c'était pas du tout un glitch, c'est pas vrai. Donc le vainqueur est Dar ZRX, je vais aller le voir juste après, je vais lui demander qu'il prenne une bifle de baleine, ça fait une tonne, hein. Genre, décapitation sur le coup. Alors dans la partie nous avons Dar ZRX, nous avons Huntley Eyes, si Vito Vita, Vito C44 qui met un j'aime pas, je vois pas pourquoi, Skynox Diablox, Ghost Battle 971, Monsieur Game Boy. On va faire rejouer histoire que je puisse redonner et que je puisse faire une dédicace à tout le monde. Nous avons Swagboss 93 et Monsieur Game Boy 217. Voilà. En tout cas, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage. Je tiens à préciser que si vous voulez me rejoindre sur des courses, vous rejoignez mes crews et vous vous connectez. Moi, quand je vous invite, vous n'avez plus qu'à rejoindre. Et du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi, je vous dis à tout ça très très bientôt. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Abonnement Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.